Non, bientôt. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je me suis retiré un petit peu de la route. Bah, pas dans le sens où je pensais que j'allais me péter la gueule là. Pour le coup, c'est pas fait exprès. Je voulais faire une arrivée en mode et bientôt, tu vois. Et non, je me suis pété la gueule. C'est bon, ça va. C'est des choses qui arrivent. Je me suis fait un peu mal quand même. C'est ma faute. Bref, je me suis retiré un petit peu du parking parce qu'il y a quand même 4-5 voitures qui sont là. Mais j'ai trouvé un lieu. Mes parents. Non. Oui, si j'étais trop. Je sais plus si c'est mes parents qui l'ont trouvé, si c'est moi. Parce que je cherche un peu partout. Donc, déjà, bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté. Ok. À Angers. Près de. Écoute ça. Le Pisseur. C'est quoi ce nom de village de merde? Il y en a d'entre vous qui habitent à Le Pisseur, comment on les appelle? Les Le Pisseuroises, les Le Pisseuses, les Le Pisseurois, les Le Pisseux, j'en sais rien. Bref, c'est le espace Pisseur, ok? Je suis à un endroit, ce qu'on appelle la source du planet. Est-ce que je prends la GoPro? Je sais pas. Est-ce que je la prends pas? Je sais pas, j'en sais rien. Elle est dans le sac. Je mettrai le sac. Là déjà, ce que je vais faire, comme je viens d'arriver, je me suis vachement éloigné quand même. Hein. Je vais me poser dans un coin, je vais fumer une clope. Je crois qu'il y a des poubelles, donc ça c'est parfait. Et ah oui, alors moi je cherche un endroit, la prochaine chose que je regarde c'est, y a-t-il une poubelle? Peut-être trouver un trésor dans une poubelle. Non, c'est pas pour ça, ok. C'est principalement parce que je peux jeter le mégot dedans, c'est mieux qu'une de pocket, ok. T'as capté l'idée? Ok, mais je pense que t'avais capté, au cas où, c'était pour voir. D'ailleurs, je viens de voir que là-bas, il y a un point d'eau. Alors vous saurez qu'en fait cette source est un peu spéciale. Il y a quelques années en arrière, vous vous souviendrez sûrement de la petite vidéo que je vous avais fait, je vous raconte enfin mon passé. Et en fait, quand j'habitais justement en Picardie, donc au bateau, on avait un endroit un peu plus éloigné, où il fallait que tu passes le pont, tu descendais, et tu avais un endroit qui s'appelait donc la source bleue. Certains d'entre vous connaîtront peut-être parce qu'autour de chez eux, il y a peut-être un endroit où il y a une source bleue comme ça. Nous, là, on a la source du planet. Et en fait, cette source bleue est un peu spéciale, parce que si tu veux, il y avait un tube comme ça, à l'œil nu, qui était bleu turquoise sur un petit étang, couleur eau cristallin. Mais le petit tube était bleu turquoise. Et en fait, la base du tube, c'était un effet d'optique, il était petit comme ça. Sauf que du coup, tu le voyais comme ça. C'était impressionnant. Et ici, donc, à la source du planet, apparemment, plein de ces sources rempli donc de couleurs bleues turquoise comme ceci. Il y a une petite histoire, je vous la conterai après. Je sais pas trop comment je vais faire parce que pour vous, en fait, je vous explique la situation. Aujourd'hui, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, ça va. Mais la semaine prochaine, je suis pas là. Donc pour vous, ce sera donc cette semaine. Pour vous, là, au moment où vous regardez cette vidéo, cette semaine, je suis pas là. Ok ? Je suis de l'autre côté de la France. Du coup, il y aura peut-être pas forcément de vidéo pour la semaine d'après. Je sais pas comment je vais me démerder, mais ça va être très compliqué. Je vous l'ai dit de toute façon que ça va être compliqué, mais là en ce moment je suis en train de me dorer la pilule sur une plage. Pigé man, ok? Ok? Ok. Non! Juste pour le plaisir, si vous m'entendez bien, c'est pour la vidéo de cette semaine. C'est le avant la prochaine, bien sûr. Je vous laisse deviner exactement où je suis. C'est une petite surprise comme ça. Vous allez deviner, c'est pas rigolo. Il n'y a rien à gagner derrière, mais voilà. Je pense que vous avez eu un bon indice. Voir si le point d'eau là-bas il est bleu turquoise ou pas, mais sinon pour la petite histoire, en gros je sais pas exactement ce qu'il en est de machin, de pourquoi, il faudra que je la relise, et en vrai j'ai une flemme, tu peux pas t'imaginer. Mais en gros, apparemment la source elle serait de 35 mètres de profondeur pour un diamètre de 95 mètres, je crois, un truc comme ça. Okay. Et au fond, il y a des grottes, un peu éboulées, tout ça. Donc on a le droit d'y aller, de visiter comme ça, tout ça. Mais si on veut faire de la plongée, il faut prévenir la gendarmerie et la mairie. Et on a le droit de faire de la plongée. J'aurais eu les formations de plongeur.
J'aurais eu la tenue qu'il fallait, je vous assure que je mettais la GoPro avec le truc. Parce que j'ai ça, la protection étanche, tu vois, ça c'est étanche, d'accord? Donc j'aurais mis ça. Bon, vous m'entendriez pas parler, parce que tu piges l'idée, ok? Mais en gros, j'aurais mis la tenue de plongée, je vous assure, sans problème, que j'y allais. Mais je te jure que je plongeais pour vous montrer les grottes, quoi. Après, il faut faire attention parce qu'apparemment, ça a un petit peu éboulé, tout ça. Tu vois, je sais pas trop, mais voilà. En tout cas, c'est dommage parce que j'aurais eu les formations plongée, tenue plongée, bonbonne d'oxygène, tout ce qu'il fallait, je te jure, j'y allais. Mais bon. En plus, il fait bon aujourd'hui, il fait 28 degrés, c'est cool, tu vois, mais bon. L'eau, elle doit être un peu froide quand même. On est d'accord. Bon, bref. Maintenant qu'on a jacté, on va... J'irai fumer tout à l'heure. Là, déjà, on va faire un truc. Twitch. Oui, j'ai pensé à prendre mon trépied. Hein, le mini trépied. Alors. Déjà, là. Un petit peu d'eau. C'est dans ce genre de truc que j'aurais dû chercher de l'or, tu vois. C'est bon, je vais le dire à toutes les rivières maintenant, ça va? Ah, hein. Tout à l'heure, c'était impressionnant, parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est que quand j'étais en train d'arriver, j'ai entendu comme une... Tu vois que c'est un petit peu bleuté déjà, là. Mais ça doit être l'effet d'optique via donc les algues et tout ça. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'étais en train de... Attendez, désolé pour le bruit. J'étais en train de venir tranquillement jusque là pour faire ma connerie là, pour vous parler, tout ça, et tomber malgré moi. Et en fait, j'ai entendu comme s'il y avait une cascade. Et puis en fait, plus j'avançais, plus je m'approchais donc du son, moins il y avait le bruit de la cascade jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et je pense que... Attends. Ça sent la menthe. Ça sent la menthe sauvage. C'est pas ça, si? Ça doit être un vrai. Si, c'est de la menthe sauvage. Il y a de la menthe sauvage, trop bien. Ça sent bon. Oh la vache, tu sens? Sens. T'as vu, ça sent bon? Ça sent la menthe sauvage, ok? Oh la vache. J'adore. Ça mange pas la menthe. Allez, on arrête les conneries. Maintenant, je vais vous montrer donc la fameuse source. Et reste tranquille. Je vais vous montrer donc les côtés donc beaux de la source. Après, comme j'ai dit, si jamais le problème, c'est que c'est pas assez ma perche n'est pas assez grande, sinon je vous l'aurais plongé dans l'eau avec la GoPro. Hein. Mais c'est trop profond pour que je puisse vous montrer la fameuse IAUIU. Les fameuses grottes, quoi. Bon. Du coup, quand je me suis garé, j'ai vu qu'il y avait 4 voitures. Donc, qui dit minimum 4 à 8 personnes. Maintenant, on va voir. J'aime pas, en fait, tourner quand il y a du monde. Tu vois, je sais pas. J'aime bien être tranquille. M'amuser tranquillement. Vous montrer tranquillement. Tu vois, c'est comme le Denon. Je suis un peu dégoûté, j'ai pas pu vous filmer correctement parce qu'il y avait une vingtaine de personnes, tu vois. Oh, tiens, parlons de trucs comme ça. Tiens. Oh là 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 là, j'ai pété un plomb. Sur la route, une route à 90, je pouvais pas rouler à plus de 25. Mais pourquoi, tu me diras? Mais pourquoi? Parce que il y avait un convoi de 10 tracteurs, ok? Avec leur putain de remorque de merde. Oh, mais il y en a un qui vient d'arriver. Il y en avait 4 des véhicules. Ah non, il y en a 5. Bref. Il y avait un convoi de 10 tracteurs. Alors, je dis frérot. Du coup, ça a fait un énorme bouchon. C'était terriblement chiant. Les cèpes, je sais pas si tu les vois. Tu vois? Mais un bon cèpe bouffé par les limaces, c'est dommage. On aurait pu faire une omelette ce soir. Non, ce soir, je mange des moules. J'adore les moules. Celui-là, il est pas bon, ok? Tu le vois, lui là, il est pas bon. Faut pas manger.
Les gens, en fait, ils vont direct. Ils passent la petite barrière qui est là. Tu vois, parce que le parking, il est là. Ils passent la barrière qui est là et ils vont direct là-bas. Il y a 500 mètres, je crois, de marche à faire. Pété. Et il paraît que le sentier est très beau déjà. Tiens, look. Il est classe. C'est un beau petit sentier mignon. Et parce que je t'explique. Attends. Les parents, ils sont allés sans moi. Parce que je devais, juste ce que je faisais. Je devais rentrer. Et du coup, ils y sont allés sans moi. Parce qu'ils voulaient absolument que je vienne. Je dis non, mais moi, je suis crevé. Voilà. Donc, ils ont pris ma soeur. Ils y sont allés, tu vois. Et ils m'ont dit, en vrai, c'est terrible à voir. Terrible. Ils ont eu de la chance, ils y sont allés, il n'y avait personne. Mais à chaque fois, moi, j'ai toujours la meilleure des chances. Ou le lieu abandonné est fermé. Ou il y a trop de monde. Par contre, ils m'ont dit qu'ils avaient vu beaucoup de lieux abandonnés en arrivant. Je dis, tiens, c'est intéressant, ça. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai cru voir une maison abandonnée aussi. Mais... suspicious. Bon, ils disent interdit aux voitures et aux motos, mais il y a quand même des belles traces de voitures. Chut. Chut. Certes. Cela dit, c'est très beau, mais nous marchons ensemble, comme à chaque fois. Et ensuite, je vais vous faire découvrir quand même un très beau lieu. Il y a une bonne femme que je vois qui est là. Le temps que je fasse mon intro, elle a réussi à arriver, elle était à pied. C'est terrible. Source. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui l'a dit. Je crois même que c'est marqué sous. Ah non, c'est bon. Je voyais pas le R. Je croyais que c'était marqué sous. Ah non, pas sous, mais source. Vous allez voir. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Attends, parce que la dernière fois j'ai vu qu'il y avait flou. Voilà. Ok. Bon, salut sous. Ouais. Par là, la source, ok. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Los Panotos. Lui là. Très mignon. N'est-il pas? Une voiture qui arrive. J'aurais dû mettre mes autres pompes parce que je vais encore crotter mes pompes. Je sens, en plus, c'est humide. Oui, je vais crotter mes pompes. C'est pas bien. J'ai rechargé toutes mes batteries. J'ai pas pris la lampe, j'ai mise en recharge. Parce que j'ai l'impression que depuis la dernière fois, en fait, maintenant, la batterie de la lampe, elle ne tient plus du tout. C'est une impression que j'ai. Mais voilà. C'est ici qu'on aurait dû venir pour regarder les aurores boréales, ça aurait été mignon, non? Eh, sauf qu'on les a jamais vus. Et moi, je suis obligé de passer par là. Tu vois un peu comment c'est crotté. Je vais essayer de passer par là. Eh, c'est bon, je passe par là, c'est bien, un poulain. Tigre. Là, on voit que c'est tout crotté. Là, c'est un peu crotté. Hop. Là, c'est moins crotté. Qui sont venus en vélo et tout, c'est pas mal. Donc là, on voit l'autre côté de la rizière que je vous ai montré derrière. Juste là, tu vois. Tu verras peut-être pas, mais c'est en gros, c'est là-dedans. On va voir. Mais en vrai, j'adore ce style. Pour faire un fond de vidéo, ça peut être le top. On part à la pêche là. Oui, à la pêche. Qu'est-ce que ça dit? Ah, bah tiens, justement, je parlais de la pêche. Il y a du poisson. Hydrologie. Source.
planer. Donc elle brochait la lotte, l'ombre et la truite. C'est beau. Eh, j'ai encore maigri. Je suis content, en ce moment je maigris beaucoup. C'est cool. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? T'as intérêt à dire oui. D'ailleurs, tu t'abonnes, hein? Tu mets un petit pouce bleu, ok, ok. Active la cloche de notification, d'accord? N'hésite pas à mettre un commentaire, je réponds à tout le monde. En ce moment, j'ai un peu de retard quand même à répondre, mais je réponds quand même. Tu peux marquer en bas, j'aime bien, mais même si ta vidéo est HD, je commente. T'as pas le choix. Puis après, tu marques. Ah, j'ai failli me bousiller le. C'est par là, pas le choix parce que c'est tout crotté. Youhou. Je crois qu'on arrive. On voit que c'est un peu bleuté, mais là vous verrez pas vous à cause du soleil. On voit qu'il y a des trous bleus là-bas, tu vois, mais vous verrez pas vous à cause du soleil. Ah si, vous voyez que c'est un peu bleu là, ici là. Car c'était résurgence. Parcours 6,5 km avant de rejoindre la Semouse. Ça s'appelait la source du planet, mais également par d'autres petites résurgences comme elle est visée. On s'en bat les couilles. Moi, ce que je veux, c'est le point bleu. Et on la voit là. Il y a le soleil dessus. Ah, c'est mignon. Source du planet. Mignon. Il y a des châtaigniers dans le coin. Ouais, peut-être. Flemme de le chercher. Ah, je suis pas seul. Peut-être que. Ils ont pris des photos, donc. Oh, il y a en plus un beau banc. Je suis en train de penser que j'ai pas fumé ma clope, tiens, tu vois. Je suis quand même un peu essoufflé. Normal, il fait chaud. Bonjour. Bonjour madame. Ah, on voit que c'est tout bleu. Je repasserai après quand ils auront brûlé, tu vois. On va continuer à monter. Ah. Ça va? T'as compris? Bon. On va continuer à monter puis redescendre après. Il y a des gens qui jouent dans l'eau. Ah oui. Ah oui, mais là. Il y a d'autres personnes. Attends, je vais descendre au final. Ça aurait été bien de le prendre du haut aussi, tu vois, mais. Voilà. Ok, pour l'instant, ça va. Mais t'as pas tout vu encore. Tu vois. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, par contre. Je sais pas comment ils ont fait pour passer. Mais c'est tout dégueu. C'est tout dégueu. On va essayer de voir. Oh. Moi.
ça va. Attention. C'est tout dégueu. J'ai crotté mes pompes. Oh, c'est vrai. Aïe. Agressif. Oh ouais. Et c'est là qu'elle y grotte. Vous en pensez quoi? Alors voilà, donc c'est la partie là qui est justement à 35 mètres de profondeur. Et oui, il y a les fameuses grottes, ainsi que ça me paraît petit pour 95 mètres de diamètre, non? Oh, pas tant que ça. Ok, ben, je suis content. J'en suis émerveillé devant ça, c'est cool, non? C'est beau. On va essayer de remonter. Par là, c'est bon. Les petits escaliers, c'est pas mal. T'as vu? On va remonter par là. Ça va. Voilà. T'as vu? Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Enfin, vous en pensez quoi? Bonjour, c'est là. Ça se voit, j'ai chaud. C'est reposant, par contre, pour de vrai. Bon, bien sûr, c'est pas un lieu touristique secret comme le précédent. Mais c'est un bon lieu. Avec un peu de monde. Marqué quoi là? Oh. Ah non, j'ai cru que c'était marqué Tour du Loup, mais non, c'est Retour Saint-Loup. Eh, écoute, hein, tu vois. Un peu replié comme ça, j'aurais pu me tromper. D'accord, tu te calmes. Source du planet encore. Tiens, il y en a d'autres des sources. On va continuer à voir celle-là, puis après on ira voir les autres, d'accord? Ah. Je vais la déguster la cigarette tout à l'heure. Oui. Voilà, ça me plaît. À défaut que les gens n'écoutent pas. Au moins c'est marqué. Il y a des endroits, ils le disent pas. Et du coup les gens ils disent bon bah ok on peut détruire. Bah non. Respecter. Propriété, site et ramener vos déchets. Bon il y a des petits mots entre deux mais flemme. C'est pas mal non plus ça. Regarde. Un peu. T'as vu? C'est pas mal, hein?
gens ne pensent pas forcément regarder plus loin. Ils viennent au premier endroit qu'ils voient et ils se barrent. Comme on a fait à Notre-Dame de la Source, c'est Clodon. On a vu le début, on n'a pas regardé au-dessus. On s'est barré. On a regardé au-dessus, vous avez vu tout ce qu'on a trouvé? C'est pas un peu classe? Vous apprenez un peu de bouger avec moi. Je savais déjà. Mais t'as vu, c'est pas mal aussi le côté barrage là-bas. Oui, c'est vrai que ce que dit la dame, elle n'a pas tort. Dans les Vosges, les lutins, on les appelle les sauterets. Comment je le sais? Bah déjà parce que je suis vosgien, donc je suis calme. Mais ensuite parce que mon père se foutait de ma gueule. Et quand je commence à avoir la parole, si c'est bien, tu commences à avoir du poil de sauterets. Je dis, ça veut dire quoi? Poil de lutin. Ah bon, d'accord. C'est très intelligent, très rigolo, dis donc. Quel bâtard. Poil de sauterets. Ah voilà, petite anecdote comme ça, on s'en bat les couilles. On continue. Sentier du planet par contre. Est-ce qu'il y a une source encore ou pas? Non, en fait c'est le sentier du planet, il n'y a pas d'autre source. Juste un sentier quoi. Ok. Distrayant. Bon. Bonjour. Dolomède, des marais. Ça donne envie de se faire piquer. Voilà. Je pensais pas que c'était aussi clair du coup, comparé à la source bleue là-bas. Voilà. Mais en gros, quand j'ai parlé de la Picardie, la source était aussi bleue que là-bas, mais c'était juste un tuyau, tu vois. Rien à voir avec ça du coup. Mais très très joli. Très très joli. Mes parents qui sont venus en reconnaissance, ils m'ont dit, ouais, vas-y, tu verras, c'est pas mal. Ok. C'est dégueu là. Oh. Crotter mes nouvelles pompes. Pas bien. Bon, voilà. On va voir. En gros. Je vais essayer avant tout de vous trouver le maximum de coins comme ça dans les Vosges pour vous les filmer, tu vois. Dans les Vosges, dans la Lorraine. Là en l'occurrence, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà. Ce serait pas mal que je puisse vous faire découvrir ce genre de lieu. Si un de ces quatre, vous voulez venir dans le coin, bah vous recherchez par exemple ici notre source du planet en jeu.
A-N-J-E-U-X. Je sais même pas s'il y a un X à la fin. Et la source du planet. P-L-A-N-E-Y. The Bizarma. Ensuite, vous pouvez toujours demander pour autre chose. Notre-Dame de la Source, à Clodon. Tu vois ? Faites pas la même connerie que moi. Suivez pas le point. Hein ? Avancez un peu plus bas, vous verrez. Et du coup, vous aurez en dessous de Notre-Dame de la Source la possibilité de voir en surplomb l'abbaye de Droitval, qui est juste en bas de Notre-Dame de la Source. Si vous voulez aussi, vous avez Notre-Dame de Presles. Là par contre, je sais plus c'est quoi le nom, mais vous tapez Notre-Dame de Presles, le Grand Est, vous trouverez. Presles, P-R-E-S-L-E-S. Voilà, c'est bon. Je voulais pas filmer celle-là, mais c'est celle dont je vous ai raconté la petite histoire sur Instagram, vous vous rappelez ? Voilà, Notre-Dame de Presles. Beau à visiter, tu peux même sonner le tocsin. Ping, bong, ping. Là, c'est bon ? Il y en a plein d'autres, hein. Il y a la source du Saône, de la Saône, je sais plus quoi là. Enfin, il y en a plein. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Il y en a plein autour de chez vous aussi. Bonjour. Pas français, mais très poli, tu vois. C'est ça qui manque chez nous. Ouais, je passe par là. Et voilà. Enfin bref, des endroits aussi jolis que celui-là, c'est beau. Et il y en a partout. Tu regardes par exemple en Picardie, le nom de la source, c'était juste la source bleue. Simple, efficace. Encore du monde qui arrive. Ouais, j'ai bien fait de partir. Ah voilà quoi. Ouais, frère, il y a un bus qui arrive quoi. Bonjour. 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 Ils m'ont laissé là-bas. Mais ils vont se rigoler. Il y en a quatre qui sont passés sur le haut. Comme on a vu, ils sont plantés. Ou alors ils n'ont pas envie de voir la source. C'est un peu con. Tu viens dans le coin là pour faire de la promenade. Autant passer par la source, tu vois. Surtout qu'après, tu peux suivre le sentier donc du planet. Puis bah, il y en avait six autres en dessous. Enfin bref, six ou huit autres. Voilà. On s'en fout. Bref, tout ça pour vous dire que si vous arrivez à chercher correctement autour de chez vous, regardez les forêts domaniales ou je sais pas comment ils appellent ça là. Dès que vous voyez une forêt, regardez autour s'il y a une source ou quelque chose, ce sera marqué. Sauf bah, des endroits bien petits comme la source de Notre-Dame, Notre-Dame de la Source, je sais pas quoi là. Et ben voilà. Toujours trouvé, enfin bref, je sais plus ce que je disais, et puis c'est bon, t'as capté l'idée quoi, c'est bon. Je commence à avoir chaud de dingue. Ah voilà, je suis content. Maintenant, on rentre à la voiture. Fumer une clope. Ah, c'est primordial. Et ensuite, bah, on va rentrer. J'ai encore de la batterie, j'ai encore deux cartes mémoire. Je peux vous faire une autre vidéo en plus si je peux. Si je trouve quelque chose.
On va voir. Si je trouve quelque chose, vous aurez donc d'autres vidéos qui arriveront de ce jour-là, d'aujourd'hui. Puis la route, c'est juste une route. Hein. Et ça donne là. Et là, après, tu marches. Tu te démerdes. Surtout qu'il n'y a pas de panneau. Ah, si. Ah oui, il y a des panneaux. Interdit aux véhicules. Bonjour, petite 208. Vieille Volvo. Néerlandais. Bah, c'est les deux Hollandais qu'on a vus. Luxeuil-les-Bains. Luxeuil-les-Bains, il y a une fontaine qui porte mon nom. C'est vrai, en plus c'est même pas une blague. La source du Planet. Donc là c'était tout le sentier du Planet. Les fours de charbonniers, les ornes, les quatre bornes. Voilà. Et moi pour venir, j'ai pas mis quatre bornes. Bon, mesdames, messieurs, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je vais voir si là où je serai, je trouve actuellement pour vous là où je suis, si je trouve quelque chose à vous filmer. Seulement, j'aurai pas beaucoup de temps non plus devant moi, même si je pourrais me dorer la pilule sur une plage. J'aurai pas beaucoup de temps. Enfin, bref, voilà. Donc, je vous retiens au jus. Pour un nouveau jeu, lieu. De toute façon, n'oubliez pas, hein, les infos c'est sur Instagram. Là, je vais voir déjà si je trouve quelque chose. Puis en fait, je vous retiens pas au jeu, ce sera la surprise et puis c'est tout. Hein. Bon, bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Kiss, kiss. C'est cringe. Tu es cringe. Alors, déjà, toi, tu te calmes. Ok. Je suis passé devant la fameuse maison soi-disant abandonnée potentielle. Et non, en fait, c'est pas une maison abandonnée encore. Tu vois, voilà. Je devais vous quitter avant, mais je vous reprends là tout de suite. En plus, faut que je vous raconte un truc, je me suis griffé. C'est honteux. Je me suis griffé. Oh. Bon, j'en ai marre. Là, je vais rentrer. Puis je vous ferai sûrement une vidéo là-bas. Là où je suis en train de me dorer la pilule. Peut-être. On verra, de toute façon, je vous retiens en jus. Et puis voilà quoi. Non, je suis pas un flic, ok. Je suis pas un gendarme. Les gens, ils ralentissent à mort. Mais je suis bien garé, en plus, bien reculé de la route. Bref, on s'en fout. Je suis fatigué. Je pars demain. Ok. Je pars dimanche, soir. Et j'arrive à l'endroit 10 heures plus tard. Il y a 10 heures de route à peu près. 10-15 heures. Ça va être long. Heureusement, je pars pas tout seul. Bon, bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Kiss, kiss.